Quand vous même yo te konti, c'est requin qui bail au visa sac sauvé qui entre ici. Si la mère pouvait parler, elle aurait trop à dire. Première vague d'immigrants venait sous Duvalier, sous Jean-Claude Duvalier, en même temps que immigrants sortis de Cuba, qui ont accueilli à bras grands ouverts, jusqu'à ce qu'ils passent un acte de congrès même, le Cuban Adjustment Act, qui baille tout Cubain qui a rentré ici, que Obama a changé, mais pour près de plus de 30 ans, tu as gagné une loi qui protégeait tout immigrant cubain qui a sorti de Cuba, qui dit que depuis leur rentrée, ils ont passé un an comme réfugiés, et puis après ça, ils ont appliqué pour résidence, après un an. Normalement, c'est 5 ans. Il y a même un an, et puis ils viennent résidents, et puis citizenship, donc pouvoir politique cubain, c'est vraiment consolidé depuis le commencement avec atout légal ça que ont gagné. Pour Haïtiens qui étaient sortis d'une dictature, mais non dictature côté que les gens pauvreté. Américains ont dit que Haïtiens c'est réfugiés économiques, donc ils pas qualifiés comme réfugiés. Parce que pour qualifier comme réfugiés qui a gagné asile politique, c'est pour qu'on peut être crédible, que ou pas gagné représailles, pas gagné persécution contre vous, pour croyances religieuses ou pour croyances politiques ou position politique ou. Et donc, il dit que la situation économique là, n'est pas qualifiée pour ça recevoir asile politique. L'important pour nous connaître, comprendre et analyser la migration, ça, particulièrement d'Haïtiens qui sont dans toute zone, tout coin pays d'Haïti, pour Sud-Floride en particulier. Parce que ce sont une migration qui est spéciale et qui est différente par rapport à mouvement migratoire que nous avons avec Haïtiens qui, dans le premier temps, dans les années 50-60, calé vers le Canada et les États-Unis, l'Europe, bon, en oublié Haïtiens qui est allé vers l'Afrique. C'est un bon site, là, en Floride, où gagnent d'une part des mouns qui traversaient par bateau. Hein, c'est boat people, yo, essentiellement, que nous avons dit qu'il fondait, qu'il bâtit la communauté sud-floride. Quand j'ai laissé Haïti, j'étais très très jeune, malgré, comme beaucoup de jeunes. À cette époque, on est rentré le plus souvent, c'était à New York. On est resté, nous restés, nous gardés, et puis en fin de compte, on est resté. On a eu la résidence américaine. Et puis, on était à New York. De New York, après quelques années, je suis venu à Floride. Je suis venu à Floride par nostalgie, parce que je ne tolérais pas bien le froid, parce que je suis vraiment négresse. Alors j'adore le soleil. Alors c'est ce qui m'avait attirée en Floride. Je suis une fille du soleil. Quand je suis arrivée ici, je pensais venir mener une petite vie douce,
à faire l'éducation de mes enfants, tout simplement vivre ma vie. Et puis tout a changé quand les réfugiés haïtiens ont commencé à venir en Floride. Réfugiés à André, ils n'ont pas de caille, ils n'ont pas de manger. Pour nous chercher parmi les Haïtiens d'abord, les gens qui peuvent aider, qui peuvent héberger, nous avons monsieur, le pasteur, mon premier. On ne peut pas oublier cet homme. Je ne sais pas s'il vit toujours, mais il était ouvert à Kaili pour les Haïtiens. Ou qu'on a passé dans le carrefour à Kaili. Haïtien dans la rue, sous trottoir, sous galerie la Kaili. 150 namen, 100 moun capable pote bali. Et puis c'est ainsi que vraiment, ouais, que femme utile, femme bouger, femme aider tout. Migration haïtienne pour les États-Unis et particulièrement dans la zone sud Floride là, je pense qu'elle offre nous une occasion spéciale pour nous garder qui ça explique migration ça. Dans le deuxième temps, comment haïtien ça y vient adapter peut-être dans milieu d'accueil ça. On a parlé de Floride, sud Floride là, et puis peut-être puis devant qui wall moun sa yo pral gagner dans avancer des questions locales, questions communauté pa yo côté a vivre là, mais tout question qui important pour Haïti et pour comprendre justement le phénomène migration ça. Pas oublier. Dans premier temps, c'est en question de dictature qui m'a connait avec difficulté économique, la vie chère, répression surpopulation dans toute une série de quartiers dans Port-au-Prince, manque d'opportunités, un paquet de jeunes qui finissent, parents qui finissent sacrifier pour permettre de faire études avancées, puis tout le monde n'a pas pris grand rien, monde pas qu'à manger, monde pas où la vie, monde pas où avenir, et puis mettez sous ça un paquet de répression. Ou pas contre qui est-ce pour faire confiance, même dans le temps propre famille. Hein? Donc, un climat justement qui t'est forcé tout en ces moun jeté. Tout activiste, tout monde qui était anti Duvalier, parce que tu as un pile de nous qui t'a fait travailler anti Duvalier et tout, tu vois ça comme opportunité pour dire que non, c'est pas réfugié économique que moun yoye, c'est réfugié politique. Donc, population qui vient ici là comme réfugié, t'es obligé d'embrasser l'idée que même tous ces réfugiés politiques. Donc, éducation sur sa capacité en Haïti, sur politique, sur dictature haïtienne, t'es fait dans la radio ici, t'es fait à différents niveaux ici. Haïtiens qui viennent ici, peut-être qu'ils sont venus à politique, peut-être qu'ils ne connaissent pas même qu'est-ce que Duvalier était à un certain moment, mais vraiment, ils viennent avec une conscience politique qui était extraordinaire. Donc, c'est des gens qui viennent croire dans la justice sociale, qui viennent comprendre que même tout, ils ont fait partie d'un mouvement qui a revendiqué droit pour mon noir, parce que tu vois clairement que les Cubains blancs ont été venus, ont été traités en gens, et les noirs ont venus, ont traités en l'autre gens. Donc, expérience réfugiée, ça y est, avec discrimination raciale, discrimination contre un groupe ethnique en particulier, tu es vraiment radicalisé dans un sens, population d'immigrants, ça y est. Donc, conscience politique, engagement politique, là, tu es vraiment un bagage qui t'est commencé depuis le ça.
Nous tous ces réfugiés, que ce soit réfugiés politiques, économiques, whatever, parce que de pour quitter pays ou venir chercher refuge, on l'autre côté, c'est ça le mot réfugié. Nous tous ces réfugiés, mais gain réfugiés à certains niveaux. Le monde a vini, il est venu ici, il a quitté petit, il a quitté maman, il n'a pas qu'on lit, il n'a pas qu'on écrit. Hein? Faut nous chercher un moyen pour faire communiquer à la famille. Pas cassette. Studio, non, c'est ton studio, côté, m'a pas acheté cassette pour vous, bah, vous cassette, voyez message qu'on y a, voyez message là, allez, c'est comme côté message là, vous allez. Parce que mon ami, même pour qu'on parle, il n'y a pas qu'à dire, ni dans qui rue, ni dans qui avenue, ni dans qui impasse que l'été. Il y a un zoom, il y a un chansol, il y a un bon côté que l'été. Mais c'est vague. Avant que le contact ça au fait, ce sont pas qu'à faire. Nous jouons deux mondes, par exemple, gagnent. Ils disent c'est folle, c'est folle, mais pour dire trop de péripéties, trop de bagailles, ils font breakdown, ils perdent du tête, vous comprenez? De monde qui entre avec trois petites, qui viennent se chercher la vie, et plutôt les trois petits mondes noyés, les mêmes seulement que j'avais. Moun sap vivre avec une inquiétude, une peur, un remords tout. Pour qui ça me prend chance à petit monde, yo? Vous comprenez tant de. Moi-même, moi vivre un paquet de bagailles. Moi vivre, vie moun sa yo. Vie yo. Parce que non seulement par salon de beauté comme te gagne, salon de beauté ça, te clinique, salon de beauté, l'école, n'apprends moi-même avec un grand somme, comme à Palo là, nous te qu'on apprend yo l'idée bio. Ça ne peut pas l'école. Gagne un compte. Par exemple, ma chambre lié ça. Ils vont en voyage et puis ils disent moi, le monde est venu, bah, une photo à main, fait aussi. Une bonne histoire. Ils vont belle dame, venu. Ils demandent pour Vanoche, c'est comme ça qu'ils ont été relés, c'était le nom du studio, Vanoche. Ils ne disent pas là. Mais si vous avez une photo, je suis capable de faire à condition qu'on signe. Il dit non, je ne vais pas signer. Je dis, mais je ne vais pas faire une photo. Il dit, bon, moi, parce que cette photo, je vais avoir une occasion pour me voir avec maman, etc. Je dis, mais chérie, il faut signer. Il est mauvais. Il commence à faire grande dame sur moi. À la fin, je dis, je regrette ça pour vous, je ne vais pas faire une photo. Et puis, il dit, madame, tu me dis un bagage. Je ne vais pas qu'on lit, je ne vais pas qu'on écrit. Il fallait voir la personne, je ne sais pas qu'on doit, pas qu'on écrit. Je me disais bien bon, je voyais un côté dans Notre-Dame d'Haïti, hein, où je vais mettre Julien ou bien mettre Claude Charles. Il fait classe le soir pour apprendre mon nez à écrire. Il dit non, je ne suis pas capable. Je dis que je ne suis pas capable. Au travail, non. Le soir au travail, non. Je me disais, bon, je vais à l'école là. Il dit non, madame, je ne comprends pas. Comprendre. Il dit, je suis une grande femme. Dans l'alentour, je ne peux pas quitter le monde qu'on aime, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Je dis, mais ça m'a fait pour vous. Je garde le grand soeur, je garde moi. Je dis, vous venez joindre nous chaque jour. Et bien là, madame, ça a genou. Il y a de la chita, son petit bain. Hein? Le grand soeur, vous voyez chercher Timalis. On l'a vu les Timalis en Haïti. Et bien, apprendre madame ça. Écrit jusqu'à ce que je te mène à l'ouvrir en compte en banque. Choc traversé par bâtiment, par exemple, et chaque moment où t'es passé, la dani vient choquer l'esprit. Avec un bâtiment, gon moun qui pas senti bien que li tombé dans la mer, par son choc lié. Ou gon ti moun qui mouri, gon madame qui mouri, gen des moun que ou t'es connait bon ami ou t'es avec yo même yo pas deviné. Dans même façon, ou rive dans bâtiment, ou pensez que tout bagay en forme
et pour arriver dans un moment avec sous la mer et puis gros bagage vient passer sorti en Haïti en route son bâtiment pour venir aux États-Unis. Ça c'est dernière étape là, oui. C'est pas première non, parce que en avant de ça où tu as un groupe monde que tu prends en Afrique qui était traversé par bâtiment pour aller en pays qui est Haïti. Ça veut dire que aspect ça ou regarder ce qui est vraiment important que raison ça me voulait attirer attention sur lui que peut-être on regarde seulement monde qui était traversé par bâtiment yo, mais monde qui était prend vol yo a même problème là oui. Ouais même dire pour que raison yo a même problème là c'est parce que c'est même système de traumatisme ça que on voit qui déjà intégré l'esprit ou gon façon que n'importe bagaille qui passe ou même si ou même avec dans conscience ou décider que ou pas t'ap songe li mais l'esprit a pas oublié jamais. C'est une histoire qui est important pour nous documenter parce que il fait partie de patrimoine nous comme peuple. C'est une histoire qui est important pour non seulement haïtiens qui vivent dans le pays hein, mais qui est important tout pour diaspora qui chaque coin dans diaspora qui raconte particularité et spécificité migration parlée. Hein? Troisièmement, pour moi-même, son coquin de chaîne fierté parce que réfugié haïtien ça y a réalisé là sans y a pas de gagner savoir ni avoir j'aimerais dire même dire hein? Y a pas de gagner tout ton série d'atout que on sait de l'autre population migrante en prend cubain par exemple y a pas de réfugié haïtien pas de recevoir accueil que cubain ont recevoir y a pas de appui économique que cubain ont recevoir y a pas de appui politique que cubain ont recevoir et malgré tout ça nous rivez par tracer un coin que nous identifier que nous marquer à jamais comme un coin côté grande présence haïtienne qui contribuer qui aider agrandir approfondir richesse zone et journée aujourd'hui au grand paquet élu haïtien américain qui c'est petite en pile monde ça pour moi même sans aucune chaîne fierté et sans fierté qui entre dans l'histoire naturelle nous comme pays qui grande tradition de faire l'histoire. Et donc, élément historique, ça me pensait que c'est important pour non seulement nous documenter les histoires, des analyses et tout ça, mais il faut tout que nous captions voix, monde qui vivent l'expérience ça directement. C'est important tout que nous captions voix, monde qui gardent l'évolution phénomène ça, qui peut-être capable d'offrir un point de vue qui est académique, qui explique le phénomène, et tout qui captent voix jeunes qui s'est produit ou bien résultat migration extraordinaire ça parce que c'est pas tout peuple qui choisit prend type de passeport visa ça qui réussit gens que nous réussit là nous fier de eux parce que yo passé la vie a pas facile yo jeune mépris yo jeune si mon caprile yo haïtien là ça c'est un jour moi là yo le haïtien. C'est comme si on t'a dit, il y a du sale, ou senti, ou l'aide, ou tout le bagaille. Enfin, pour faire un petit monde haïtien comprendre que les palais, les belles, sont pas qu'à faire. Pour qui ça? Les sorties, si mon an, s'il pas de fête ici, s'il fait en Haïti, les sorties dans le pays, ils ont fait le connaître, pas belle, les laides, les noirs, les laides. Si moun yo gon idée fictive d'Haïti ou bien idée très négative d'Haïti et nous connaît que vraiment force au monde c'est force d'identité c'est pour connaît qu'auto sorti parce que sous pas rien sous c'est ou vraiment pas équipé pour faire face à un monde surtout Miami côté que tout monde ancré son identité ethnique. C'est pas comme si on est Minnesota à côté que tout le monde c'est blanc ou bien whatever, mais ici là tout le monde a une base d'identité. C'est ou bien au cubain, ou bien au colombien, ou bien au vénézuélien. Mais pour tout le monde haïtien, c'est dur à quoi avec compas seulement qui culture haïtienne là.
son gros coquin chaîne cadeau d'identité culturelle côté que le cacampel dit moi haïtien et ça ça veut dire que haïtien c'est pas du riak pour compare avec ça qui passe dans boulé son culture de honneur respect vous comprenez ça donc je pense que l'important que nous parler de ça tout que Haïti c'est pas simplement côté que n'a voyé l'argent mais c'est vraiment côté côté que grand culture qui jusqu'à présent a bataille pour survivre grand énergie qui a vraiment renforcé une série de l'autre bagaille que Timoun a pas prendre donc c'est ça que m'te vle que nous pas jamais parler en pile c'est le cadeau que Haïti peut être pour les jeunes et continue à être pour les jeunes.